passé que je dis à Grand Ravine, massacre Grand Ravine, et pour juge la voie arrêter tout le monde, je le veux. Je dis à journaliste, c'est quatrième pouvoir l'apprécier. Je ne suis pas d'accord. Et justice va être en pays. Si toutefois je dis à assassiner un journaliste, en même temps, il y a les banates, fait un an, il a assassiné un journaliste dans le commissariat d'El Matrendois. Je dis à juge la mandé pour l'assassiner banat Daniel. Et je dis à Nabdi Ariel Henry, à tout acolyte lui, si vous pas arrêté attaquer les journalistes dans le pays, pita pitris pour vous. Parce que le pays n'a pas de justice. Où est-ce que les citoyens pour venir devant la justice, ou si vous êtes ou pas de nous prendre pièce lui pour vous le jeter. Non, le pas possible. Je comprends ça. Et oh, on fait la grande lui. Qu'est-ce que c'est ça? Juge. Juge qui est en dedans. Commissaire, je ne sais pas le commissaire. Par contre, non, il n'est pas possible. Journaliste, c'est le quatrième pouvoir aller dans le pays. Qui ça a été reproché, banane? Bon, ça a été reproché. Vous connaissez, il n'y a pas de journalistes parler. Il n'y a pas de journalistes parler. Nous connaissons très bien. Il n'y a pas de journalistes parler dans le pays. C'est nous-mêmes, c'est la répression qui commence à faire pour voir Toto Makoute là. Pour voir gang BHTK. Troisième version. Majorie Michel Ricapier. Et mon supplice Bozil fait complot pour attaquer Radio Montréal. Même gens ont attaqué Louko des îles. Nous parlons ça. Je dis à faire un an depuis un journaliste assassiné Delma 32 à Bagan. Ils ont assassiné Nehemi. Un paquet de journalistes mourir. Mais je dis à eux même voleur ça. Nous même la presse qui ont fait affaire. Nous prenons le micro pour parler. Voleur ça, il faut que nous suspendions la parole pour parler parce que c'est eux-mêmes qui ont fait complot contre nous. Et ma petite, nous avons radio Montréal. Alpha, C'est pas fait violence. Les policiers ont vraiment été tendus et ils n'ont pas vraiment continué avec bousculade qui ont fait sous l'IA. Et puis, le commissaire a ordonné de mettre dans le garde à vue parce que c'était un peu de temps pour le bagage. Mais nous-mêmes, comme avocats, en parlant de design, nous allons faire tout ça, la loi mettre à la disposition. Pour faire le commissaire, pour assister et puis pour jouer une idée à son lit. C'est ça nous a dit, mais ça, ça l'a reproché. Nous estimons que c'est une insulte. C'est une insulte pour vraiment un journaliste. Un journaliste qui a ses fonctions pour y a vraiment bousculé et persécuté. Et bon, moi, tout commissaire a été dit, comme ça, chef là, non? Comme ça, chef là, pas agi mal du tout, jusqu'à date.
Commissaire Ali, il a commissaire chef là, il pas commissaire Deguio. Commissaire Ali dit, oh, les Jovenel, toute bagaille, nous avons bataille contre Jovenel, nous trouvons Jovenel. Nous prenons la ville par les fonds là. Elle me dit, monsieur, son journaliste, on peut acheter Kiss, commissaire Ali. Il veut qu'elle tape Ali de la sorte, avec design, et avec Banane Daniel. C'est raison ça. On a demandé avec la population haïtienne, on prend responsabilité pour vraiment j'en ai dérivé ça, pour continuer. Nous sommes commissaires, nous sommes sécurité commissaire à battre 10 ans en pile, alors qu'est-ce que pas beaucoup sont capables de faire, et il y a un journaliste qui arrive victime, et nous sommes sécurité après téléphone, je crois que la tête tire pour suivre. Bon, moi-même, si on est victime, quel que soit mon qui victime, moi, il est capable. Immédiatement, il a été libéré, il a attendu. Il a fait ça, il veut faire également. Et m'a dit tout le monde, nous-mêmes dans le cabinet, nous, Caleb Jean-Baptiste associé, numéro 37 16 60 75, 37 16 60 75, une équipe vraiment voyou, qui a utilisé leur téléphone pour rançonner le monde. Sous l'ombre, Caleb. Il n'y a pas plusieurs Caleb dans ce Facebook là, mais il faut contrôler. Mon téléphone, M. Caleb, c'est 37 16 60 75. Une équipe qui a volé les cailles, diaspora. Une équipe qui a volé les cailles, tout le monde dans le pays, nous-mêmes. Nous-mêmes, comme monde qui l'a commandé l'application de la loi, monde qui l'a. Pour faire respecter la loi, même en demandant l'application. Moun ki là pour veiller à ce que droit moun respecté dans le pays. Nous avons accompagné journaliste Banane Daniel. Il était bien maintenant, qui est venu en termes de solidarité, plusieurs autres journalistes. Et nous avons gagné un greffier qui est le greffier Chilet, qui fait nous faire plus de 30 minutes à attendre pour te recevoir une déclaration que nous avons faire. Une déclaration de récusation. Et après ça, il devrait relayer nous. Il devrait relayer nous dans l'air, malheureusement. Il devrait relayer nous pour nous aller dans la salle. Là, nous sommes arrivés à l'avocat de l'autre partie. Il y a un obstacle à ce que le greffier Chilet recevra une déclaration. Bon, ce que nous ne comprenons pas, comment l'avocat fait faire. Il y a aussi deux pouvoirs sur le greffier. Et par la suite, nous-mêmes comme avocats professionnels, moi-même et plusieurs autres membres du bureau, nous avons dit que nous avons fait déclaration par acte. C'est de là étant, il y a un petit commissaire gouvernement qui est Ali. Et moi pas connais ça quoi monsieur. Moi pas connais si c'est un problème personnel lié à journaliste Banane Daniel. Depuis l'aime sur votre même monsieur déjà dit oui ça tout comme ça à tout comme ça l'aime dit c'est sur des monde que yo invité à comparaître de manière personnelle et puis monsieur changer caractère bagaille monsieur Aria. Peut-être que il dit bon, c'est là à commencer, nous disons. Oui, nous n'avons pas de problème pour c'est là à commencer. Nous avons une déclaration par acte. Et puis c'est là à l'état, il va dire qu'il va arrêter le journal Libanon. Nous-mêmes, comme avocats, qui prenons ça à la loi, dit, nous avons donné une comparution, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. Et nous avons essayé de faire le journaliste en jugement sur le champ, et puis le jugement lui-même. Il était dit que le journaliste a travaillé une déclaration. Et puis, sous base ça, on a automatiquement parce qu'il a siège noté. On dit automatiquement parce qu'il a siège noté. Et c'est un travail. Et c'est le juge qui a donné une comparution personnelle du journaliste. Et de là, étant nous entendons oui, et nous regardons, nous avons sorti avec un militant très reconnu qui traîne vraiment bataille pour le changement de pays, qui c'est Design Canabé. Et il y a ballon clé pour le journaliste APC pour ce qu'il est frappé. Nous même pour éviter les pires, Design nous pour embrasser nous et puis nous embrasser les tout pour faire une vidéo. Et puis nous demandons à l'aide du policier. On essaie de faire. On vient pour y arrêter au monde. C'est ça où il est, même endroit, même les batailles. Les salles font une infraction ou une rébellion. Donc nous sommes arrivés à maîtriser et à la fois à intervenir.
petit temps m'a fait dans parquet devant au presse. Nous pas venir régler chapelle politique à quiconque. Nous pas là pour nous venir favoriser quiconque. Mais nous avons pour boussole la loi en tant que commissaire du gouvernement. Donc c'est normal, nous avons justiciable lié. Récusation, c'est un bagage qui des droits. Les gens doivent pour le récuser. Au contraire, dans ce sens, n'était-ce pas l'avocat Maître Caleb Jean-Baptiste qui a dit, mon cher, ou obligé d'obtempérer. Il arrive à obtempérer. Pour ça, nous remercions maintenant. Comme moi-même, je ne suis pas dans la salle. Je ne suis pas là. Ils ont informé, ils ont bagage qui a passé dans le paquet. Or, il est des principes qui dit que le parquet est un et indivisible. Le magistrat qui est agressé dans l'exercice de cette fonction, en tant que chef du parquet, il faut qu'il agisse. C'est dans ce sens que nous prenons le temps de nous interpeller pour nous comprendre ce qui passe à plus bien. Mais pendant que nous cherchons à comprendre ce qui passe plus bien, le magistrat l'a expliqué à la presse, dans un certain sens, la presse là, c'est porte-parole de la population, l'a expliqué exactement de quoi il en est question. À cette phase, nous vous disons merci. Maître, vous avez la parole. Merci, commissaire. Bonsoir. Et incident qui s'allie. Je dis passé mon siège. Lorsque on dit cette information, qu'est-ce qu'il fait sur une émission radiophonique? À ce moment-là, on est capable de comprendre que les journalistes sont personnages connus. Et les gens qui sont disant victimes, jusqu'à présent, sont personnages connus. Qui ça m'a ordonné? Mandé comparaison personnelle des partis. Qui est journaliste? Bah, on a trouvé comme ça. Parce que le dossier est là même. Le dossier est là. Ok? Salut, présence, la presse. Dans le paquet, matin, nous avons constaté un incident qui dégaine dans la salle d'audience. Côté nous déplorer d'abord, pas de souhaiter ça. Mais il y a un bagage, moi je voulais attirer l'attention de tout le monde, toute la population, de manière générale. La loi fait de nous chefs de la poursuite pénale. Il y a un dossier qui t'a préparé pour aller plaider. Dossier à Patco en état. Tout à coup, il y a une tentative de récusation massive ou récusation en masse. Je ne pas dans la salle d'audience là. Magistrat, disons commissaire gouvernement, qui t'a fait office du ministère public. D'après ça, il a déclaré qu'il a été agressé dans la salle là par les gens qui étaient venus passer le dossier qui était venu défendre. Et ça a été interpellé nous. Et tout le monde qui était dans la cour, il a dit qu'il y avait un outrage. Mais on parle de outrage, le magistrat. Dans l'exercice de ses fonctions, je trouve que ce n'est pas normal. Nous, en tant que commissaire du gouvernement, nous là pour nous faire restaurer l'autorité de l'État. Sous quelle que soit forme, faire face n'est pas. Je ne suis pas d'accord, même un simple citoyen dans la rue. Pour agresser, voire pour agresser un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions. Et ça qui est étonné, élément nous sommes maîtrisés, mais ordonné, yo interpellé le policier qui n'est pas pour interpeller le c'est bataille avec policier. Et nous disons ça, c'est en présence de la presse. Le tribunal, dans les coïncidences, la situation personnelle n'a pas pour évaluer. Il y a ordonné le tribunal à Brancière, il y a ordonné la comparution personnelle. La comparution personnelle, c'est qu'ils allaient. Pendant que le procès a commencé, il a dit que Mounio et le tribunal a appelé. Maintenant, puisque M. n'est pas touché par la situation fonctionnelle, ben, les réseaux, nous, comme avocat, nous-mêmes, comme avocat, nous n'avons pas de problème, venez pour mener le tribunal. Là. Lorsque nous menons le tribunal, là, client nous a venu au tribunal, il estime que le passant est le confortable, garantie judiciaire, pas respecté, il n'avait pas de problème. Les bras font une déclaration en réquisition contre. Pour action, maintenant, le PIA a fait dilatoire, la justice a fait dilatoire, maintenant, arrivé en dedans, par le ministère public, M. Wel m'a parlé, les crayons incident pour montrer que, côté que l'État apparaît, il y a un monde qui va avaler pour arrêter Banat. Et ceci, Banat, lui-même, lui vient du tribunal, il vient répondre à une question à la justice. Il n'y a pas arrêté et voilà, mais ça qui nous produit incident côté que il a arrêté un ami Banat, nous voyons côté que la police prend une masculine. Nous-mêmes, cabinet Caleb Jean-Baptiste et Maître Nel Charles dit, nous pas dans l'arrêt de ma route encore. Nous là, nous prenons état de droit, eh bien, droit tout le monde fait pour respecter. Et c'est ça qui passe aujourd'hui là, il va prêter comme ça. Ni action Banat là, il va passer, je pense qu'il va le passer. Ni amis ça à tout, ils prennent, ils battent, ils maspinent, ils font bassonnage, ils font voix de fer sous lui. Non pas qu'il y a même, non mais c'est de la justice, non pas la justice là même, vous voyez qui place, ils vous battent justice. Oh, c'est là que mon sécurité pas qu'il y a de la justice. La police qui bat lui. Nous avons une vidéo, on a vu que la police prend les traînés. Bon, nous même avocats, nous avons fait suivi légal contre les policiers. Merci.